Claude Chirac fête ses 60 ans. L'occasion de revenir sur sa relation avec le politologue Philippe Habert. Philippe Habert qui était né en 58 dans une famille modeste. Brillant, il était devenu professeur d'université. Et en 92, il s'était marié avec Claude Chirac. Seulement, très rapidement, leur relation s'était détériorée. D'abord, le couple avait choisi de ne plus vivre ensemble et de vifs différends les opposaient. Après 6 mois de mariage, le divorce est consommé. Philippe Habert a beaucoup de mal à s'y résoudre et en 1993, son corps sans vie est retrouvé à son domicile parisien. L'autopsie conduit à un suicide par intoxication médicamenteuse, ce que sa maman Jacqueline a toujours refusé de reconnaître. Elle dit « S'il avait voulu partir, il m'aurait laissé un mot. Nous étions très proches l'un de l'autre. » Les amis de Philippe Habert assurent eux que déprimé et gros travailleur, il aurait en fait succombé à un accident en absorbant trop de médicaments.